Maison en briques, pâte à durcir. Le but de cette activité est de construire une maison en briques avec de la pâte à durcir, une pâte résistante qui sèche à l'air comme l'argile. Abaissez une plaque de pâte pas trop épaisse, d'abord avec les mains, puis avec le rouleau. Attention, veillez à retourner plusieurs fois la plaque pour qu'elle ne colle pas à la table. À l'aide du couteau, découpez plusieurs rubans de pâte de même largeur. Décollez ces rubans de la table, écarissez-les et découpez dedans des rectangles de différentes tailles. Ce seront les briques. Sur une autre plaque, faites deux fenêtres carrées identiques dans lesquelles vous tracerez délicatement une croix qui figurera la croisée. Découpez ensuite une porte qui soit ovale en haut et gravez dedans des traits qui vont rappeler des vénures de bois. Façonnez une petite boule qui sera la poignée de la porte. Servez-vous du goulot d'une bouteille pour tracer des cercles sur une autre plaque. Découpez-en quelques-uns en forme de goutte d'eau. Laissez sécher toutes ces pièces, puis montez votre maison sur une base en bois pour avoir une première impression du résultat. Défaites la maison, puis, au pinceau scolaire, peignez la base à la gouache liquide bleu ciel. Avec le pinceau Beaux-Arts, peignez les pièces à la gouache liquide de différentes couleurs. Laissez sécher, puis placez les pièces sur la base comme avant. Collez-les, une à une, avec de la colle blanche, sauf la porte et les fenêtres. Avec le pinceau Beaux-Arts, peignez l'intérieur du toit à la gouache liquide rouge et l'intérieur de la maison en orange. Laissez sécher, puis collez les fenêtres et la porte avec de la colle blanche. Décorez la poignée de la porte à la gouache liquide métallisée couleur argent. Laissez sécher. Votre jolie maison en briques est terminée !